Je pense que le mot carrière n'est pas adéquat à ma vie. J'ai toujours fait que ce qui me plaisait et que ce qui m'intéressait. Le soir où on a présenté le film de Chantal, Les rendez-vous d'Anna, je me souviens que la salle était pleine, les gens sifflaient. Et puis à la fin, je me souviens d'un journaliste qu'on connaissait bien avec Chantal. Il a été obligé de me couvrir de son trench coat pour sortir parce que les gens m'attaquaient. Les films de Chantal, à cette époque-là, c'était pas facile du tout. When we made Last Days, in particular, we were inspired by Jeanne Dielman. She seemed to be looking at architecturally. We started to think of our film in that way, in sort of like an architectural representation of the room and the characters. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui devrait être peut-être utilisé dans les écoles de cinéma, c'est les rushs de ce film-là. La caméra commence à être portée, alors on sent ça fait plein de bruit, comme ça, et puis tout à coup, elle tire une table, et après, on voit une énorme amorce de table, et tout ça, et puis il y a sa mère qui passe, et tout, et on comprend absolument pas comment les choses se font, et tout à coup, il y a un plan. Je me suis rendu compte qu'au fond, ma mère était le centre de mon œuvre. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai peur. Parce que je me dis que maintenant, que ma mère n'est plus là, est-ce que j'aurai encore quelque chose à dire? Ah, chérie. Ouais. Lorsque je te vois comme ça, j'ai envie de te serrer dans mes bras.